vais vous montrer une plante qui est très commune. Peut-être que vous la connaissez déjà. Il faut déterrer ses racines. Donc vous allez juste avec votre ongle frotter un petit peu les racines puis sentir. L'avantage de ces feuilles-là, c'est qu'on peut les trouver même l'hiver. Par contre, c'est pas une des meilleures plantes. D'accord. Elle a pas de goût très intéressant, mais on peut s'en faire une soupe. Les racines, elles sont intéressantes, mais la saveur ne supporte pas très bien la cuisson, ni trop le séchage, et c'est vraiment délicat. Les plantes, on peut les aborder au toucher, à l'odorat. Il faut s'épargner aucun mode de rencontre avec la plante. Là, vous avez quelque chose de très rêche. Ouais. Et ben, cette plante, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est vraiment très agréable à manger. En bouche, elle est fondante. C'est la grande bardane, qui est jugée comme une mauvaise herbe ici, et qui est tellement appréciée des Japonais qu'ils la cultivent sur des champs entiers. Et ils l'appellent au Japon gobo, et c'est une plante qui est très nutritive, et qui est très bonne aussi pour détoxifier le foie. Et la racine est délicieuse quand elle est jeune. Elle est tendre, juteuse, et on en fait des gratins, on fait plein de choses avec. Et les feuilles de tilleul, quand elles sont jeunes, ou les feuilles de mauve, vous pouvez les manger, elles sont délicieuses. Elles sont mucilagineuses, c'est-à-dire qu'elles sont totalement fondantes en bouche. Les fleurs aussi. Dans le tilleul, on peut manger les jeunes feuilles, on peut manger les jeunes fruits, on peut tout manger dans le tilleul.